Bon, maintenant, je vais vous présenter ma première et ma troisième mort subite. Pourquoi je garde le second pour la fin? Parce que c'était vraiment trop fou de la manière dont je me suis rattrapé. Parce que genre, il me restait une vie, puis je devais rattraper au moins 420 HP. Fait que genre, c'était compliqué. Puis à la fin, moi, ça, je pense 140 HP contre le joueur de Yoshi. Puis c'était une partie sans système avec le joueur de finalement. C'était Yoshi qui était le plus avantagé de tout le monde. Puis j'ai dû m'accrocher au rebord plusieurs fois pour éviter d'être mal pris contre les trophées Hyde ou les Pokémon qu'il lançait. Bon, allons-y pour ma première mort subite qui a été remportée. Mais ça a été facile cette mort subite-là parce que je le savais que je allais faire le side B. Pourquoi je le savais? Parce que je savais qu'elle allait utiliser ça en premier au matin. C'est tout le temps ça que vous faites. Tout le temps y aller avec attaque spéciale, tout le temps et avec le truc le plus facile qu'il n'y a pas. Après ça, qu'est-ce que j'ai juste besoin de faire? Dasher. Par derrière, voilà, ou sinon j'attends pour le saisir, mais moi, comme vous le savez, moi je fonce. Moi je suis quelqu'un qui fonce. Pourtant, ça partait bien pour moi, mais ça a quand même provoqué une mort subite, tout ça. Et disons là que les changements de salle, ben ça m'a pas trop vraiment avantagé parce que ça m'a donné un KO. J'ai subi un KO. Ça va par le chemin. Je ne m'attendais pas qu'il le fasse deux fois de suite, mais comme vous le savez, c'est le side B encore une fois là. C'est trop évident là. Tu sais, comme que je vous l'avais dit. Comment je le savais qu'elle allait le faire? Ben, tu sais, c'est tout le temps la première attaque que vous faites avec Banjo-Kazooie, c'est tout le temps la même affaire. Sinon, c'était peut-être un.
un donnail, sinon, en général, les gens font ça. Attendez-vous pas pourquoi que j'ai sauté, tu sais, c'est simple comme bonjour, tu sais, après ça, j'ai juste besoin de dasher et bye. Là, maintenant, allons voir ma troisième mort subite. Bon, là, j'étais vraiment pas dû pour être en mort subite. Parce qu'en cause, j'avais subi au-delà de 110% de dégâts. Tu sais, puis, tu sais, disons là que ça a pas été, ça a pas bien passé. Ça a pas bien parti, ça a dû mal finir aussi, mais ça a quand même bien fini. Fait que là, ce qui se passe, c'est que, genre, c'est moi qui subis le premier KO, ensuite, genre, il y a plus qu'en reçoit un. Après ça, il y a quoi, il y a qui d'autre? Il y a Pac-Man qui le reçoit. Voilà ça, Pikachu, il est en avance par deux vies, puis tout d'un coup, paf, je vois Pac-Man réussir à le smasher, puis il meurt, puis là, on est tout à égalité. Il reste en mieux quelques secondes, puis je réussis à toffer jusqu'à la mort subite et je la remporte. Tu sais, ce match-là, il était pas évident, là. Puis ça s'est fini, et puis tout le monde s'est retrouvé en mort subite. Puis à la fin, il restait le Pikachu. Fait que genre, le Pikachu, il a voulu, je sais pas, me faire des petits coups de donut, mais j'étais de dos, fait que j'ai pu dasher. Vu que j'étais de dos à lui. J'ai décidé de m'accrocher au rebord au début parce que je voulais pas me faire atteindre par un radis au cas où qu'il m'atteint avec un radis le joueur de Peach. C'est bizarre parce que je pensais que je m'accrochais au rebord, mais je comprends pas pourquoi je me suis pas accroché, ça, je la comprends pas à Joe. Pourtant, j'étais pas si loin que ça du rebord, pourquoi j'ai pas pu me rattraper, j'en ai aucune idée. Puis après la mort subite, il y a deux joueurs qui me disent que c'était de la chance. Le joueur de Pac-Man et le joueur de Pikachu. T'sais, au nombre de fois que j'ai joué là, puis au nombre de fois que j'ai eu des matchs chanceux là, t'sais, est-ce qu'on peut dire considérer que c'est de la chance ou c'est seulement que genre c'est un addon? T'sais, c'est vrai? Alors, je suis chanceux ici. Un bon coup de gars de joueur de Peach. Ouais, voilà. C'était bien joué de sa part. Je crois que ce qui était fatigant, c'était ses comptes. C'est ça qui était dur à anticiper parce que genre il faisait souvent des comptes. Checkez bien la suite. Oh, 1, 2, 3. Attention, là, c'est Pichu qui est en avance de beaucoup. Que va-t-il se passer en 50 secondes pour qu'il subit une chute?
En tout cas, c'était un beau fondant qui a fait contre le genre de piste qui planait. Après ça, les deux joueurs qui viennent me dire que c'était de la chance que j'ai gagné. Ben oui, c'est ça. À chaque fois, c'est toujours pareil, hein. Quand c'est moi qui est full en retard, mais qui parvient quand même à trouver une façon de gagner, ben. Ben là, c'est plus rendu une question de chance rendu là, tu sais. Parce que j'ai probablement fait un bon jeu. Bon, sur ça, tout le monde, on va se rejoindre pour la fameuse partie de fou, ouais, en fait. Un match de fou, ben, qui s'est fini en mort subite.